Monsieur Santiago, Rodriguez Fontaner, acceptez-vous de prendre comme légitime épouse Mademoiselle Adriana Pérez Alvear? Santiago, ne dis pas oui. Ne te marie pas avec elle. Daniela. Tu n'as aucun droit de venir interrompre notre mariage comme ça. J'ai tout le droit du monde. Car toi, tu te maries avec lui dans la tromperie et les mensonges. De quels mensonges et tromperies tu parles, Daniela? Les mêmes mensonges qu'ils m'ont raconté à moi. Arrête tes histoires, Santiago a déjà bien assez souffert par ta faute, non? C'est plutôt à cause de vous, je crois. Tu n'as pas honte de ce que tu fais? Tu es une femme mariée, tu viens ici détruire notre mariage parce que tu es jalouse. Pourquoi tu ne laisses pas Santiago être heureux? Justement parce que je veux qu'il soit heureux, que je ne veux pas qu'il se marie avec toi. Alors explique-lui, dis-lui ce que tu faisais hier soir avec Luciano. Diego, je sais que vous devez... Enfin, penser... Le pire à mon sujet. Non, je ne pense rien du tout. C'est pour cela que je suis là. Je veux entendre ta version. Je veux savoir pourquoi tu as trompé ma fille de cette façon. Mais je ne l'ai pas trompée, en fait. Tout ce qui s'est passé, c'est que... l'accident n'était pas aussi grave comme j'ai bien voulu... comme j'ai voulu vous le faire croire. Mon temps de rétablissement a été plus rapide. Mais j'avais peur qu'en disant la vérité à Daniela, elle penserait que tout ça n'était qu'un mensonge. Tu as cru qu'elle ne se rendrait jamais compte? Non, bien sûr que je savais qu'elle se rendrait compte à un moment donné. Et je vous avais fait une promesse, Diego. Que je remarcherais avant de me marier avec elle, et que je remarcherais avant qu'elle ne devienne ma femme. Et c'est pour ça que j'ai embauché Adriana comme physiothérapeute particulière, pour qu'elle me sorte de ce cauchemar le plus tôt possible. Et c'est tout ce qu'il y a entre cette femme et moi. Mais ce n'est pas du tout ce que m'a dit Daniela. Eh bien non. Non, elle a compris ce qu'elle voulait, car elle ne m'a pas laissé le temps de lui expliquer. Mais enfin, bien sûr que vous avez le droit de choisir de me croire ou pas. Oui. C'est certain. Monsieur Diego, moi, tout ce que je peux vous assurer, c'est que... tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que... j'aime profondément Daniela. Je l'aime plus que tout ce que j'ai au monde. Réponds-moi, Adriana. C'est vrai ce que dit Daniela? T'étais avec Luciano? Mais réponds-lui! Dis-lui ce que tu faisais chez moi! Alors? Eh bien, j'y suis allée. Parce que c'est un ami. Ah, Luciano est un ami. Depuis quand c'est un ami, Adriana? Ah, je ne sais pas. Depuis le jour où je suis allée à l'hôpital le remercier pour t'avoir sauvé la vie et... Ah, vraiment, et toutes les fois où je t'ai parlé de Luciano, seulement maintenant tu me dis que c'est un ami. Franchement, je ne pensais pas que c'était important, Santiago. Ah non, ce n'était pas du tout important, hein. Hier, je t'ai proposé de te ramener chez toi et tu m'as dit non. T'étais avec Luciano. Alors explique-moi. Moi, je peux te dire pourquoi. Parce que je l'aide avec sa thérapie, voilà pourquoi. Ah, sa thérapie. Je ne savais pas non plus que tu l'aidais pour ça. Santiago, comment aurait-elle pu t'en parler? Comment, alors que notre chère Adriana, en fait, couvrait Luciano et tous ses mensonges? Luciano n'est pas invalide. Il ne l'a jamais été. Qu'est-ce que tu dis, Daniela? Je les ai vus. Les deux se disputaient et Luciano était debout. Et Adriana le savait depuis longtemps, n'est-ce pas? Ils se sont mis d'accord. Lui, pour se marier avec moi. Et elle avec toi. J'arrive! Mais Ottilia, qu'est-ce que tu fais là? C'est que j'ai besoin de toi, cousine. J'ai besoin de toi. Ah, Ottilia, je suis vraiment désolée, je n'ai pas d'argent. Si tu veux, je peux te donner à manger. Non, Michaela, j'ai besoin d'aide pour la première fois dans ma vie. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ce n'est pas juste. Pourquoi tu me fais ça, hein? Tu t'es moqué de Santiago des milliers de fois. Mais ça ne te regarde pas. Si, ça me regarde, parce que moi, je l'aime. Toi, par contre, tu l'as utilisé tout ce temps comme bon te semblait. Jamais je ne l'ai utilisé. Alors pourquoi tu t'es mariée avec Luciano, hein? Et oh, ça suffit, Adriana. Tu vas me dire ce que tu faisais hier soir chez Luciano, oui ou non? Et ne me parle pas de thérapie, parce que je n'y crois pas. Je veux la vérité. Je suis allée pour le convaincre de dire la vérité à Daniela. Pour qu'il arrête de lui mentir et que s'il ne le faisait pas, j'allais le faire moi-même.
De toute façon, elle n'aurait jamais épousé un invalide si elle n'était pas amoureuse de lui. Bien sûr que non, mais... Alors pourquoi tu t'es mariée avec lui? Parce que... Pourquoi? Parce que Luciano m'a menti et... Et ce n'est pas de ma faute. Tu as décidé de te marier avec lui. Moi, je ne suis pas responsable de tes décisions. Et maintenant, tu viens ici faire un scandale? Parce que tu m'envies, parce que tu ne veux pas que Santiago soit heureux. Attendez un moment, je vous en prie. Je sais que tu es très bouleversé, Daniela. Et je dois te dire que malheureusement, Adriana a raison, tu sais. Tu t'es mariée de ta propre volonté avec Luciano et ce que tu fais en ce moment n'est pas très correct. Vous avez raison, mon père. C'est que... Luciano m'a menti. Non. Luciano regrette énormément tout ce qu'il a fait. Mais comment vous le savez? Eh bien, parce que juste avant de venir à la cérémonie, j'ai parlé avec Luciano. Et il s'est confié à moi comme à un prêtre. Et il m'a tout expliqué. Alors Daniela, écoute, moi je te suggère que tu parles avec lui, car c'est encore ton mari et que tu l'écoutes. Et que pour l'instant, tu comprennes que tu ne peux pas t'immiscer dans la vie des autres. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Pardon. Sincèrement, j'espère que vous serez très heureux. Daniela, attends. Laisse-la partir. Mais pourquoi elle est partie, maman? Je ne sais pas, chérie. À un moment, j'ai bien pensé qu'il n'y aurait pas de mariage. Moi non plus. Pardon. Excusez-moi. Pardon. On peut continuer? Santiago, s'il te plaît. Je te jure, moi, je n'y suis pour rien. C'était une coïncidence. On peut continuer, s'il vous plaît. Santiago, aie confiance en moi. Moi, je peux tout expliquer. Allez, reprenons, je vous en prie. C'est que je veux. Je voudrais. Je voudrais être. Je voudrais être. Une femme de la haute. Une femme cultivée, élégante, raffinée, tu sais bien. Écoute, Ottilia. Et écoute, calme-toi. Assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi. Viens, viens, calme-toi, voyons. Et répète un peu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux être une femme raffinée, très raffinée. Ottilia. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est non plus. Tu sais bien que toute ma vie, j'ai lutté sans pouvoir m'en sortir. Je me souviens un peu de comment c'était à la maison quand Madame Daniela était encore vivante. Mais fais un effort. Il faut que tu m'aides. Tu es mon dernier espoir. Moi, je veux changer. Moi, je veux plus être la vieille Ottilia vagabonde, mais une vraie Madame Ottilia. Ottilia, j'ai bien l'impression que tu as perdu la tête cette fois. Oui, je suis folle, mais tu sais ce qu'il y a. Je suis folle, mais d'amour. C'est pour ça que je veux changer, parce que je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Tu es amoureuse? Toi? Pourquoi ça te surprend? J'ai pas le droit de rêver, moi aussi, ou quoi? Et je n'ai pas le droit qu'on m'aime. Dis-moi. Parfait, monsieur Rodriguez. On peut continuer la cérémonie, ou quoi? Je ne crois pas, monsieur. Santiago, je t'en prie. Désolé, Adriana, mais je ne peux pas t'épouser. Mais pourquoi tu me fais ça? Je te l'ai dit, je n'avais rien non, à voir avec Adriana, tous les mensonges Adriana, de Luciano. Ça n'a rien à voir avec Luciano, ni avec Daniela. Je tiens beaucoup à toi, mais je ne t'aime pas. Alors, pardon. Adriana, s'il te plaît. Santiago, ne me fais pas ça. Ah, mon chéri, viens, mon cœur, viens. Viens, mon cœur.
C'est que tu viens d'une bonne famille et moi je suis pauvre. Moi, ça ne me pose aucun problème. Dis-moi, tu m'aimes ou pas? Pourquoi tu me demandes? Parce que moi je t'aime. Je t'aime. Daniela, je suis amoureux de toi. Comme au premier jour. Santiago. Tu te souviens? Mon amour pour toi est le même, intact. Je t'aime. Et un moment, attendez. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a amené jusqu'ici, car il savait que quelque chose allait arriver. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Eh bien, on réglait juste nos petits problèmes. Oui, réglé. C'est tout ce que t'as trouvé? Vous voulez peut-être les régler, mais comme ça, ça va être pire et votre vie va en être toute chamboulée. Je sais ce qui s'est passé, mais je vous en prie, ne vous précipitez pas dans la gueule du loup. Daniela, je t'ai déjà dit, tu es une femme mariée et pourtant tu es là. Et tu embrasses Santiago, imagine un peu comment tu vas te sentir après. Mais pourquoi Daniela et moi, on ne doit rien à personne? Après ce que Luciano et Adriana nous ont fait, on n'a rien à expliquer. Non, tu te trompes, Santiago. Pourquoi? Adriana mérite une explication. Tu vas aller parler avec elle et tu vas aller lui expliquer. Et toi, tu vas lui demander la même chose de sa part. Non. Fais-lui comprendre qu'elle a eu tort. Ça n'en vaut pas la peine, mon père. Vraiment pas. Écoute, Santiago, je crois que c'est vrai. Tu devrais aller parler avec Adriana et moi avec Luciano. Et qu'est-ce que tu vas demander à Luciano? Pourquoi il a fait toutes ces choses stupides? Non, Daniela. Non. Personne ne fait de choses pareilles sans bonne raison. Voyons, excuse-moi une petite minute, je suis à toi tout de suite. Tu te souviens hier quand tu es venu pour m'inviter à ton mariage? Ils étaient la main dans la main avec Adriana. Ne te fâche pas, ne le prends pas mal. Je t'ai trouvé très décidé, un petit instant Santiago. Et toi, personne ne t'a obligé à te marier avec ce Luciano. Je t'avais bien demandé d'y réfléchir sérieusement. Je te l'avais dit. Dis encore et encore répété, mais non. Au lieu de parler et de discuter entre vous de ce que vous ressentiez, de chercher des solutions, et parce que je sais bien le grand amour qui vous unit, d'ailleurs ça crève les yeux. Mais non, vous deux, vous avez préféré l'arrogance, l'orgueil et le... enfin l'égoïsme. Non, on ne joue plus. Alors il y a des conséquences, hein? Ce qui s'est passé n'est la faute de personne d'autre que vous deux ici réunis. Et maintenant ça suffit. Ou vous faites bien les choses, en respectant la loi et tout ça, et vous respectez les choses comme il se doit, et puis ensuite vous vous mariez devant Dieu. Où on arrête là, chacun pour soi, chacun de son côté, et avec tous les petits drames habituels. Daniela a fait quoi? Elle a arrêté la cérémonie. Elle s'est mise à crier devant tout le monde. Que tout n'était qu'une farce, orchestrée par toi et moi pour les séparer tous les deux. Oh, c'est pas vrai! On a perdu tout contrôle, Luciano. Je t'avais dit qu'on prenait beaucoup trop de risques. Non, Adriana, moi je n'ai pas l'intention de m'avouer vaincue aussi facilement, tu m'entends? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore inventer un accident pour que Daniela prenne pitié de toi et qu'elle reste avec toi? Mais non, ce n'est pas du tout mon intention. J'ai beaucoup de cartes à mon jeu pour me sortir de cette situation. Je ne vais pas baisser les bras si facilement, Adriana. Pas du tout même. Daniela est à moi, elle est à moi. Bon sang. Tu as fait ce que je t'ai demandé? Mais tu apparais toujours comme un fantôme, toi, alors. T'arrives toujours quand on s'y attend pas, hein? Tu as fait ce que je t'ai demandé ou pas? Non, pas encore, ma poule. Relax, du travail, pas de pression. Tu vois que je suis complètement perdu. Par ma faute, parce que j'ai pas ouvert la bouche. Ils vont mettre ma Paulina chez les fous. Mais qu'est-ce que je veux devenir? Oh, pauvre chou. Oh, tout petit pauvre Louis. C'est vraiment ça qui t'inquiète? Parce que je t'ai dit que je pouvais te donner beaucoup d'argent si tu m'aidais. Mais oui, ma poulette. Non. Il n'y a pas de mec qui vaille. Avec cet argent, tu vas pouvoir sortir Paulina de cet endroit. Tu pourras l'emmener vivre dans un autre pays et où tu voudras. Amant, t'es sûr de ça? Oui, bien sûr. Ouais, si tu me donnais une petite avance alors. Oui, parce qu'un billet, ça fait de mal à personne pour savoir qu'on est en business, ma poulette. Non, allez, sois cool. Tu veux une avance? La voilà, ton avance. Je t'attendais. Je réfléchissais à ce que j'allais te dire. Non, Daniela. Daniela. D'abord, il faut que tu m'écoutes.
Oui, tu dois. Écoutez ce que j'ai à te dire parce que... Parce que je t'aime. Parce que je t'aime, Daniela. Et je sais que j'ai... Que j'ai commis des tas d'erreurs et que c'était... Vraiment idiot d'essayer de te retenir à travers des mensonges dont il n'y a que moi pour faire ça, pour jouer les imbéciles comme ça. Il faut que tu comprennes. Que tu comprennes que tout ce que j'ai fait, c'était parce que... Parce que je t'aime, Daniela. Parce que je t'aime. Luciano, ne fais pas ça, je ne crois plus à tes mensonges. Luciano, s'il te plaît, lâche-moi. Je suis juste venue te dire. Te demander qu'on se mette d'accord pour divorcer sans dispute. Non, ça jamais. Jamais je n'accepterai de divorcer. Jamais. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu es à moi. Tu es à moi et à personne d'autre. Maman, je veux pas qu'il m'enferme. C'est pour ton bien, ma chérie. Personne ne veut te faire de mal. Oui, mais c'est que ça me fait vraiment peur, c'est sûr. Ils vont m'enfermer comme les fous. Alors je voulais dire que si ça se trouve, je pourrais l'éviter, enfin... J'ai pas le choix, c'est ça? Ça ne sera pas pour longtemps, ma chérie. Eh ben, j'espère que t'as raison, maman. Parce que sinon, je vais mourir de tristesse enfermée là-dedans. Ne dis pas ça, Paulina. Non, écoute. Toi, tu vas aller mieux. Tu vas redevenir la même Paulina qu'avant, ma chérie, hein? C'est ça qu'il faut penser, hein? J'ai vraiment la trouille, maman. Tout va bien se passer, Paulina. Toi, il faut juste que tu y mettes vraiment du tien pour guérir. Hein? Tu n'as aucun droit de me faire ça. Non, c'est toi qui ne peux pas me faire ça, Daniela. Et c'est toi qui veux me quitter en plus. Mais enfin, tu m'as trompé, Luciano, je t'en prie. Et toi alors, Daniela? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu m'as promis? Qu'on allait être heureux pour toujours et que tu serais toujours là pour moi. Tu m'as promis que tu allais faire tout ce qui était ton possible pour qu'entre nous deux, ça puisse marcher. Mais qu'est-ce que tu as fait? Hein? Dis-moi. Tu as tout juste pu me tolérer, Daniela. Tu crois que je ne me rendais pas compte? Tu pensais vraiment que je ne me rendais pas compte que tu me rejetais à chaque fois que je voulais m'approcher de toi ou à chaque fois que je voulais te toucher? Ce n'est pas ce que tu m'avais promis. Je n'ai jamais dit que je t'aimais. Non, mais tu as dit que tu allais faire tout ton possible pour que nous soyons heureux. Tu as dit que tu ne te mariais pas avec moi par pitié, mais parce que tu le souhaitais. Et tu as dit également que j'étais pour toi. Pas Santiago. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Oui. Oui. Oui, mais quoi? Oui, mais quoi? T'en as fait quoi? Daniela et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait. Tout, absolument tout pour te rendre heureuse. J'ai fait l'impensable, ça je te l'accorde, mais grâce à moi, tu as retrouvé la vue. Grâce à moi, Santiago et toi, vous êtes vivants. Et c'est comme ça que tu me remercies. Franchement, tu trouves que c'est normal de me récompenser comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi? En m'abandonnant, en me quittant? Allô? Ton plus gros cauchemar est sur le point de commencer, Diego Montenegro. Ce que tu as vécu n'est rien comparé à ce qui t'attend. Daniela, c'était mon seul espoir qu'en soyant ensemble, tu puisses enfin ouvrir les yeux et que tu oublies Santiago et que tu tombes amoureuse de moi. Oui, mais pas de cette façon. Et alors comment, Daniela? Car j'avais déjà tout essayé. Comment c'est toi qui m'as poussé à faire tout ça? Et ne me rends pas responsable! Parce que si j'en suis là, c'est pour tes tromperies et tes mensonges, car tu m'as utilisé. Mais tu sais quoi? C'est terminé. Luciano, c'est terminé. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je ne vais plus vivre avec toi. Alors tu t'en vas? Non, c'est toi qui pars. Tu retournes dans ton appartement et je vais appeler mon père et Michaela pour qu'ils reviennent immédiatement. Tu me mets dehors? Oui. D'accord. Et si je m'y refuse? Eh bien, j'espère que tu seras finalement un homme pour prendre la décision adéquate, Luciano. Tu es ma femme. Ma femme! Non, c'est un papier. C'est un papier qui dit qu'on est mariés, c'est vrai. Mais je ne suis pas ta femme. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne t'aime pas et jamais je ne t'aimerai. Je n'accepterai jamais de divorcer. Jamais. Alors tu seras toujours à moi. Écoute bien ce que je te dis.
toujours. Prends tes affaires. Et va-t'en. Mais non, je ne sais pas s'il a appelé de la prison ou bien d'un autre endroit. C'était un numéro privé. Maître, vous devez vérifier ce qui se passe. Non, je ne peux pas me calmer tant que je ne saurai pas si ce type est en prison ou pas. Oui. Oui. Oui, pardon. J'attends votre appel. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'il ne peut rien vérifier avant la réouverture du tribunal demain matin. Mais ce n'est pas possible qu'il l'ait libéré, monsieur Diego. On a tous témoigné. Non, je ne comprends pas, Michael. J'aimerais penser que ce n'est qu'un petit jeu et qu'il est toujours en prison. Mais quelque chose me dit que ce vaurien est de nouveau en liberté. Tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. Nos témoignages. Le risque qu'a couru Santiago. Tout ça pour rien. Mais il n'y a donc aucune justice dans ce pays, bon sang! Monsieur Diego, calmez-vous, je vous en prie. Comment pourrais-je me calmer? Oh mon Dieu. Que ce cauchemar ne recommence pas. On est parti tout de suite, affolé en courant, dès que tu nous as téléphoné. Pourrais-tu m'expliquer? Je viens de rompre avec Luciano. Je l'ai mis dehors, c'est pour ça que j'ai appelé. Ma chérie, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Comment a-t-il pu me tromper de cette manière-là, papa? Moi, je croyais en lui. J'ai renoncé à Santiago pour être avec lui. Pour un mensonge. Comment j'ai pu être aussi bête pour prendre une décision pareille? Ça va aller, ma chérie. J'attends qu'on me prévienne et ils me transfèrent dans l'autre bâtiment. C'est bien que tu aies accepté, Paulina. J'avais pas le choix, Daniela, après tout le scandale que j'ai fait, ben... En plus, il paraît que Sandra est devenue encore plus folle parce qu'elle a pas écouté le docteur, elle prenait pas ses médicaments. Enfin, le docteur dit que si je fais tout ce qu'il me dit et tout ça, je pourrai avoir une vie normale. Tu vas voir que tout va bien se passer, Paulina. Hmm? Tout va très bien se passer et tu vas aller beaucoup mieux. Et après, on rigolera de tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, quand tu sortiras, tu viendras avec moi à la maison. Hmm? Mais c'est bien joli, Daniela, mais je crois pas que Luciano sera enchanté de m'avoir sous le même toit, tu sais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mon mariage avec Luciano est terminé. Non, Diego, je suis désolé, bien au contraire. Comment va Daniela? Comme il fallait s'y attendre. Blessée et furieuse. Je te promets que je vais tout faire pour alléger les souffrances que j'ai causées. Et si elle veut encore de moi, je te jure, j'épouserai ta fille. Le problème, c'est que lui, il refuse de divorcer. Quoi? C'est ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce qu'il veut, cet imbécile? Eh bien, je vais embaucher le meilleur avocat de la ville pour se charger de ce divorce. Il ne va pas nous compliquer la vie. Écoute, il y a le temps pour ça. Pour l'instant, nous avons un problème beaucoup plus grave. Comment ça? Horacio est en liberté. Papa. Hein? Tu es sorti quand? Hier. Ah, je vois. Pourquoi tu me l'as pas dit alors? J'avais des choses importantes à faire, enfin. Bon. Je suis content que tu sois là. Oui. Merci, Tony. Tu m'as manqué, papa. Oui, toi aussi, merci. Au fait, j'ai besoin que tu travailles sur ce contrat-là, hein? De quoi? Je négocie un contrat pour construire un parking dans l'ancien quartier où vivait Daniela. Mais papa, il y a beaucoup de monde qui habite là-bas. Tous ces vagabonds vont se retrouver sans rien quand les machines arriveront pour tout raser. Ces misérables seront les premiers à payer pour tous les jours que j'ai passés en prison. Le deuxième, ce sera Santiago. Et en dernier, Diego Montenegro. Cette fois-ci, personne,
Personne ne va m'arrêter, tu verras. Comment ça, Luciano peut marcher? Tu as parfaitement entendu. Tu peux croire qu'il m'a menti pendant tout ce temps. Mais c'est un sacré... Mais comment il a pu? Contente que tu l'aies fichu à la porte, Daniela. Oui, je pouvais quand même pas rester avec lui. C'est clair. Et encore moins lui pardonner ses saletés. Oh, ne me dis pas que ça te rend triste quand même. Non, Paulina. En fait, ce qui me fait mal, c'est de m'être mariée avec lui. D'avoir cru à tous ses mensonges. Et c'est pour ça que je n'ai jamais pu me réconcilier avec Santiago. Je lui ai dit des choses horribles. Et c'était de la faute de Luciano. Eh ben moi, j'en étais sûre que Santiago, c'était l'homme de ta vie. Je te l'avais dit, tu te souviens? Oui, Paulina, mais... Mais je crois que pour Santiago et moi, c'est trop tard maintenant. Je ne crois pas qu'on pourra avoir une autre chance. Mais bien sûr que si, Daniela. Santiago est encore célibataire et vous allez pouvoir vous marier, hein? Pourquoi pas, dis-moi. Luciano n'acceptera jamais de divorcer. Eh ben on va le forcer! Ah! Combien de trucs on a traversé, toi et moi? Paulina, je t'aime tellement. Et moi aussi. Si tu savais comme tu comptes pour moi. Et toi pour moi. Et on sera toujours ensemble. Toujours, toujours, toujours. Je te promets que je vais faire tout mon possible pour vite aller mieux, Daniela. Oui. Et comme toi, tu m'as dit l'autre jour, toi et moi réunis, on trouve toujours une solution. Oui, toujours. Ah, mais t'es bête! Mademoiselle Marie-Angélique? Je t'ai fait mal, ça va? Non, non, non. Voilà, tout est prêt pour votre admission. Il faut y aller. C'est impossible. Moi non plus, je n'y croyais pas hier soir quand je l'ai appris, mais j'ai demandé à mon avocat d'aller vérifier ce matin au tribunal. Effectivement, le juge l'a laissé sortir. Pour manque de preuves. Mais enfin, Diego, manque de preuves, les témoignages, les enregistrements, où ils confessent tout, qu'est-ce qu'il leur faut comme preuve? Écoute, ou l'avocat est très habile, ou le juge est corrompu. Le fait est qu'il n'a pas tenu compte des preuves qu'on a fournies. Maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est que Horacio va certainement essayer de prendre sa revanche sur nous. Et Daniela est au courant? Non, je n'ai rien voulu dire tant que je n'étais pas 100% sûr. Il faut la prévenir tout de suite, qu'elle soit en lieu sûr pour protéger les enfants. Je vais appeler son portable. Non, non, tu ne l'auras pas. Son portable est resté ici à la maison. Mais elle est où? Avec Paulina. Elle m'a dit qu'elle allait lui parler et que... Et qu'ensuite, elle irait voir Luciano pour essayer de le convaincre d'accepter de divorcer. Bon, il n'y a plus de temps à perdre, Diego. Il faut la retrouver. Est-ce que je peux l'accompagner? J'ai bien peur que non. Malheureusement, les règles de la clinique sont très strictes et personne ne peut être admis en dehors des heures de visite. Mais... Mais je ne serai pas un problème, je veux juste m'assurer que... Daniela, que... tu te souviens que... qu'on avait dit qu'on ferait tout ce que le docteur, enfin... que le docteur nous dirait sans protester. Ça va bien se passer, hein? Ouais. T'es sûr, hein? Oui. Attendez, attendez, docteur. Paulina n'est pas dingue, docteur. Sandra est vivante. Je l'ai vue. Maman, tu crois qu'on peut être amoureuse de deux hommes en même temps? Non. Non, bien sûr que non. Bien que parfois on se ment à soi-même et
On veut croire que c'est le cas, mais ce n'est pas l'amour avec un grand A, il n'y en a qu'un. Mais comment je sais lequel c'est alors? Je les aime beaucoup tous les deux. J'ai l'impression que mes sentiments sont les mêmes. Tu es sûre? Certaine? Eh bien, écoute, avec Augustin, avec lui, je passe des moments géniaux. Il est super marrant, maman. Et il est très sincère. Il a tellement de charme. Moi, j'adore être avec lui. Je me sens extrêmement protégée. C'est comme si... comme si rien ne pouvait m'arriver quand on est ensemble. Ah, ma chérie. Et pour Oscar, tu ressens quoi? Eh bien, avec Oscar, c'est une très longue histoire d'amour. On a vécu tellement, mais tellement de choses ensemble. Maman, parfois, on n'avait rien à manger. Et moi, j'ai appris tellement de choses avec lui, à travailler. Et il m'a prouvé son amour à plusieurs reprises, mais je n'arrive pas à oublier ce qu'il m'a fait ensuite, maman. Il m'a abandonnée, il est parti refaire sa vie. On ne sait où. On se demande avec qui, même. Ah, maman, qu'est-ce que je fais? Ah, ma chérie, tu sais, moi je crois que dans ton cœur, tu as déjà la réponse. Tout ce que tu as à faire, c'est l'écouter. Quelle que soit la décision que tu prendras, c'est ce que tu dois faire, l'écouter. Parce que c'est ce qui compte vraiment au fond. Pas la culpabilité, pas l'obligation, et pas non plus parce que tu veux t'accrocher au passé, ma chérie. Essaie seulement un peu de penser à ton bonheur. Personne d'autre ne devrait avoir d'importance, seulement toi, ma chérie. Bonjour. Oui, allez-y. Rebecca, pardon de venir comme ça chez toi à l'improviste. Qu'est-ce qu'il y a, Diego? Horacio est sorti de prison. J'ai besoin de savoir à qui je peux payer un pot de vin au tribunal. Pour être au courant quand Daniela ira déposer la demande de divorce. Et je veux aussi savoir quel juge sera chargé de l'affaire. Non, peu importe ce que ça coûtera, combien de fois, je dois te le dire, Carlos, ça m'est égal. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici chez moi? Diego m'a donné un double des clés, et je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Horacio est libre et la vie de Daniela est en danger. Merci pour l'information. Mais je peux protéger ma femme tout seul, merci. Tu peux partir. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, ta femme? Mais enfin, quelle femme? Moi, je crois que tu la connais parfaitement bien. Elle s'appelle Daniela. Celle avec qui je partage mon lit. Celle qui s'essuie avec ma serviette chaque fois qu'on prend une douche. Celle qui met ma chemise après avoir fait l'amour. Enfin, tu veux un dessin? Oui, tu aimes jouer les machos, n'est-ce pas? Obliger une femme à se marier avec toi par pitié? Ou alors tu as déjà oublié quand tu étais dans ton fauteuil à crier comme une minette que je te frappe pas? Ça, c'était extrêmement viril, n'est-ce pas? Tu peux bien dire tout ce que tu veux. Car au bout du compte, elle a signé avec moi, si. Pas avec toi. Et tu sais quoi? Je vais l'emmener très loin. Ouais, très très loin. Et tu ne pourras jamais plus la revoir, crétin. Tu sais que j'adore te voir comme ça, face à face et debout. Quoi? Ah, Santiago. Fauteuil roulant ou pas, je ne m'abaisserai pas à ça. Parce que Daniela est à moi, elle le sera toujours, alors fais ce que tu veux. Je vous en prie, pardonnez-moi de vous donner d'aussi mauvaises nouvelles, mais c'était très important que vous le sachiez. Et je t'en remercie vraiment, Diego. Au contraire, merci. Tu as raison, c'est mieux que Bonjour. Nous soyons au courant. Augustin! Monsieur Diego. Excusez-moi, mais je dois m'en aller. Je t'en prie. Appelle-moi dès que tu as une minute, car on doit absolument se parler. Bien sûr, monsieur Diego. Je t'accompagne, Diego. Je t'accompagne. Merci, Rebecca. Entre, Augustin, entre. Merci. Pardon. Merci. Comment ça va? Eh bien, comme si, comme ça. En fait, je suis venu te présenter mes excuses parce que l'autre jour, je me suis vraiment énervé et... surtout, je suis venu pour te dire que... que je te libère. De quoi? Je te libère de l'engagement que tu avais avec moi. Et vous pensez qu'on va vous croire, jeune homme? Mais Sandra est vivante, docteur! Vous devez me croire! Paulina va très bien! Calmez-vous!
Alors fichez-lui la paix maintenant. Attendez, une minute. Paulina va bien. Louis. Merci. T'es gentil, merci. Mais je me suis faite à l'idée qu'il m'interne pour que je guérisse. Non, Paulina, je ne peux pas les laisser faire ça. Écoute, pardonne-moi. Pardonne-moi, hein. On va les écrabouiller. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Ça ne te fait même pas réagir, ce que je te dis? Parce que si tu ne veux pas m'aider, il faudra me le dire, hein? Non, non. Ben, papa, je ferai ce que tu me diras. Très bien. Alors, change de tête, hein, s'il te plaît. J'ai beaucoup de projets. Et toi, tu vas être mon bras droit pour les mener à bien. Ton bras droit? Mais évidemment. Tu es mon seul et unique fils. Qui serait plus indiqué que toi pour remplir ses fonctions? Je veux que toi, personnellement, tu te charges du projet de stationnement. On ne va pas seulement nettoyer cette zone de tous ces va-nu-pieds, mais on va aussi se faire beaucoup d'argent avec ce contrat. Alors j'ai besoin de toi à 100%, hein. Ne me déçois surtout pas, Tony. Paulina, écoute, ma toute belle, je ne veux pas qu'il t'enferme. Écoute, rien que de penser à cause de moi qu'il pourrait t'enfermer, ça me démolit entièrement. Mais c'est pas de ta faute si je suis malade, Louis. C'est pas de ta faute du tout si je suis folle comme ma sœur. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais c'est pas vrai. Toi, tu es intelligente et belle. Et moi, je t'assure, je ne vais pas les laisser t'emmener, ma gazelle. Dis-moi seulement que tu m'attendras encore quand je sortirai, Louis. Hein? Mais oui, je t'attendrai toute la vie, ma poulette. Hein? Oui. Non? Je suis désolée, mais il faut qu'on y aille maintenant. Non, elle est à moi. Arrête, Louis. Rends pas les choses encore plus difficiles, s'il te plaît. Non. Prends soin de Louis et de maman, hein. Ne les laisse pas trop souffrir, d'accord, hein. D'accord. Ne t'inquiète pas. Non. Non, non, non. Et toi, Paulina, toi, guéris vite, promis. Je viendrai te voir, hein. On y va, Marie-Angélique. Ça va aller. Je t'aime. Allez, allez, finissez-en, tapez plus fort et qu'on soit tranquille une fois pour toutes. Tu te laisses faire, Luciano? Moi, j'en ai marre de vous et de vos idioties. Pendant que vous vous tabassez tous les deux, Daniela est toute seule en danger de mort. Pardonne-moi, Diego. Il faut absolument qu'on trouve Daniela avant Horatio. Luciano, tu sais comment s'appelle le docteur où Daniela a emmené Paulina? C'est le même médecin qui soignait Sandra. Baker. Tu as son numéro? Je l'ai dans mon agenda. Le voilà. Mademoiselle, écoutez, je voudrais savoir si mademoiselle Daniela Camacho était à vos côtés. Elle a accompagné mademoiselle Polly à mademoiselle Marie-Angélique. Marie-Angélique. Et vous ne savez pas du tout où? Merci beaucoup. Elle est partie il y a un moment et ils ne savent pas où. Voilà, c'est ça. Chut, viens. Je te jure, elle était par ici. Louis, y a personne. Je te jure sur ma tête, je l'ai vue. Si ça se trouve, elle est à l'hôtel. Je te jure, tiens, même qu'elle portait cette robe hier, crois-moi, bon sang. Attends, Louis.
Tu en es sûr? Ce ne sont pas des bobards. Mais pourquoi je te mentirais, Daniela? Je l'ai vu. Oui, mais... Je te promets. Promis, c'est pas du tout un fantôme, ma poule. Non, je l'ai vu avec ce truc-là, et là, je l'ai vu, tu sais. Elle marchait comme d'hab, ta-ta-ta. Je t'assure. Ah, Louis. Eh bien, Louis dit la vérité. Comme tu vois, je suis bien vivante. Et prête à tout. Dommage, car tu ne vas pouvoir le dire à personne. Tu me libères? Quoi, tu ne veux plus qu'on se marie? Mais bien sûr que si. Évidemment, évidemment que si. Mais alors? Mais alors quoi, Karina? Je me suis rendu compte que toi, c'est avec Ostar que tu veux être et moi je ne peux rien faire. Écoute, au début j'étais super fâché. C'est pour ça que j'ai été si agressif quand je t'ai vu avec lui. Après, eh bien, j'ai retrouvé mes esprits et je me suis rendu compte que je ne peux pas te forcer. Enfin, je ne peux pas t'obliger à m'aimer, hein. Non, mais moi non plus, je n'ai pas été correcte et... Pardonne-moi, Augustin. Je te jure que je n'avais pas l'intention de te blesser. Mais... Tout était... tellement flou. C'était tellement flou, n'est-ce pas? Mais maintenant, ça y est, tu n'as plus de doute. Je te l'avais dit, Daniela. Je t'avais dit que ma chère belle-sœur était revenue faire des siennes pendant que la pauvre Paulina était enfermée chez les fous. Sandra, s'il te plaît, rends-toi. Fais-le pour ton fils. Tu crois que je vais annuler mes projets pour toi, idiote? Tu rêves. Si on négocie un truc avant qu'il y ait du sang qui coûte bêtement, vous d'accord? Savez quoi? Je ne vais pas vous écouter ni l'un ni l'autre. Par contre, je suis sûre que vous deux... Je vais vous couper la gorge. Vous savez quoi? Mon fils, je vais sûrement le brûler, mais... Vous deux, vous allez sûrement mourir aujourd'hui. Tu devrais arrêter d'utiliser les enfants comme prétexte. Si Daniela comptait vraiment pour toi, alors tu la laisserais tranquille et en paix. Tu veux que je me comporte comme un lâche, comme toi, espèce de... Mais ça suffit! Je n'en peux plus de vous! Mais vous êtes aussi idiots l'un que l'autre! Au lieu de vous disputer, venez immédiatement m'aider à chercher Daniela, elle est en danger, j'en suis sûr! Allez, bougez-vous! Sandra... Tu as vu ton fils? Parce que ça t'aiderait à trouver le beau côté de toi-même. D'avoir un fils comme ça. Je n'ai rien de bon. Et Angèle n'a rien de bon non plus, ne sois pas hypocrite. Elle s'est coupée la main, regarde, elle est dingue. Vous êtes deux idiots. Tu veux te battre? Bien sûr que je veux. Mais sors le couteau, sors le couteau! Moi, je n'ai pas besoin de ça pour... Et voilà. Bien joué. Je crois qu'il m'a cassé une dent. Tue-moi, Sandra. Comme tu peux le constater, je ne suis pas une experte avec les armes. Toi, tu vas choisir Oscar parce que, eh bien... Bon, même si ça fait très mal, j'ai compris. J'ai compris que c'est lui l'homme de ta vie et... Lui, il a plein de choses d'agréables à t'offrir. Et puis, il est même... un peintre connu et tout et tout. Mmh. Et si ça arrivait, tu deviendrais quoi? Ne t'inquiète pas, surtout pas pour moi. Ça va aller. Je voulais m'excuser de t'avoir maltraité ainsi et... aussi te dire merci. Merci de m'avoir aimé. Au revoir.
Oui, entrez. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Répondez-moi qui vous êtes. Oui, je suis vivante. Je suis là car je veux qu'on prenne notre revanche, Horatio. Moi, je me charge de Santiago. Et toi, tu vas te charger de détruire la vie de Daniela. Tu vas faire d'elle la femme la plus malheureuse du monde.